Hey, salut, ça va? J'occupe mon poste depuis ce poste en particulier. Ben oui, ça fait à peu près un an, peut-être un petit peu plus qu'un an. Ici, quand on est arrivé, moi, je faisais partie de l'activation. C'est-à-dire qu'ils ont choisi quelques employés parmi nous. On a fait fonctionner la machine. J'adorais travailler à Saint-Luc, honnêtement. Mais ici, ça fait du bien. On respire, c'est neuf, c'est vraiment agréable. C'est un monde que je connaissais pas. Et je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi populaire que ça. Quand j'ai appris à faire des dessins, ben là, les gens faisaient des espèces de regards. « Oh, wow, c'est magnifique! » Ben, de rien, ça fait plaisir. Vraiment, je me rends compte qu'il y a des gens qui voient un culte au café. C'est spécial. Je vais prendre un latte, s'il te plaît. Tout le monde est un peu fatigué le matin. Les visiteurs sont désorientés. Alors, quand je constate qu'à quel point les gens ont besoin de leur café, puis à quel point ils me remercient pour ça, ben, c'est rien, mais ouais, ça fait chaud au cœur quand même. Moi, je trouve, j'adore ça, là, c'est vraiment le fun. Le service à la clientèle, pour moi, comment je dirais ça, c'est... Ben déjà, j'ai autant besoin d'eux qu'eux ont l'air d'avoir besoin de moi des fois. C'est un service que je donne, oui, mais j'ai appris à aimer ça. Au début, j'étais terrifié là, quand j'ai commencé là-dedans, c'était il y a longtemps, mais moi, je travaillais seulement dans les manufactures avant de connaître le public, puis j'en ai fait quelques-unes, puis j'étais bien dans ma petite routine, seul, travailler à la chaîne, puis on fait... Tu sais, on parle à personne, puis on se sent en sécurité, mais non, maintenant, c'est... Tu te lèves le matin, puis t'es pas malheureux. Puis tu te sens bien, tu as un contact avec les gens, on cherche tous une espèce de connexion avec tout le monde, puis moi, ça me fait un bien immense, honnêtement. C'est salutaire. C'est presque une thérapie. C'est sûr que c'est agréable de faire des bons cafés, mais ouais, sans le public, moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer.